Bonjour, mon nom est Sabi Paris, j'ai 27 ans. Je viens ici au Canada en 31 août 2016. Précisément, je suis venue à Moncton le 1er septembre 2016 pour une étude en travail social, en maîtrise. Et à mon arrivée ici au Canada, et principalement à Moncton, j'ai été accueillie par mon encadreur de mémoire. Et là, l'expérience a commencé et puis j'ai été intégrée par sa famille, par d'autres familles canadiennes ou du moins acadiennes. Et c'était vraiment une très, très belle expérience dans la région. Et j'ai eu pas mal d'expériences aussi en intervention comme bénévole avec le CAFI, avec plusieurs autres institutions. Et depuis, ici à Moncton, je suis tombée en amour parce que c'est vraiment une très, très belle région. Et surtout, les gens que j'ai rencontrés sur ma route étaient accueillants. Et chaleureux. Venir à Moncton a été un choix rationnel parce que l'université de Moncton, précisément l'école de travail social, va me permettre de concrétiser un rêve d'enfant et un rêve de toute une famille qui avait compté ou du moins qui avait, et comment je pouvais dire, investi dans toute l'éducation. Ainsi, le facteur décisif a été l'accueil que j'ai trouvé depuis bien avant mon arrivée ici, et aussi l'accueil que j'ai trouvé en arrivant ici, et aussi les liens que j'ai tissés avec les gens, que ce soit pendant les périodes de bénévolat, et aussi avec l'école de travail social qui a fait beaucoup de choses pour me permettre de bien acclimater ici. Pour quelqu'un qui veut déménager à Moncton, tu dois d'abord te renseigner, t'informer sur les opportunités et sur la région globalement. Puis deuxièmement, c'est à partir de ça que tu peux orienter tes actions et surtout, il faut t'impliquer. Et t'impliquer activement, ça va te permettre de grandir tes réseaux d'opportunités et aussi tes réseaux d'amis et de connaissances. Les gens de Moncton sont accueillants, ils sont respectueux et surtout souriants.